Beaucoup de personnes me demandent de vous parler de la réalité de l'Europe. Que je vous dise aussi que l'Europe est difficile. Combien de fois l'Europe est difficile? L'Europe est difficile. L'Europe a certains points où l'Europe est aussi difficile. C'est surtout l'histoire des papiers. Parce que quand tu arrives ici, il te faut des papiers pour pouvoir travailler. Et quand tu ne les as pas, c'est difficile. Mais même ceux qui ne l'ont pas, travaillent. C'est ce qu'il faut aussi dire aux gens. Même ceux qui n'ont pas de papier ici en Europe travaillent. Il y a des voies et moyens pour travailler même sans papier. C'est ça. Quand tu es un combattant et que tu sais ce que tu es venu chercher dehors, aucune situation ne peut t'affaiblir. Ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas finir par t'en sortir. C'est ce qu'il faut dire aussi aux gens. Moi, je ne suis pas là pour décourager mes frères. Vous comprenez? Ça va prendre du temps, mais tu vas finir par t'en sortir. Certaines personnes, tu vas parfois te faire exploiter. Tu seras peut-être mal payé du fait que tu n'as pas de papiers, mais ça ne doit pas te décourager. Tu vas parfois te faire abuser par certaines femmes qui vont peut-être te promettre moins de merveilles. Que non, avec elle, tu vas peut-être être régularisé. Elle va t'utiliser, elle va te baiser. Après, elle va te chasser. Après, elle va te laisser tomber. C'est ça la réalité de l'Europe. Maintenant, à toi d'être sage. Ne te laisse pas utiliser, ne te laisse pas trop exploiter. Surtout dans les relations amoureuses où tu es homme comme femme. Hein. Parfois, c'est aussi l'homme qui a les papiers. C'est-à-dire, quand il a ses papiers, lui, il s'intéresse beaucoup plus aux femmes qui n'ont pas de papiers. Parce que c'est une proie facile. Lorsqu'il te prend, il finit de t'utiliser, il te couche correctement et bien, il fend tes seins, après il te fait les problèmes. Oui, pour que vous gâtez et que tu t'en ailles. C'est comme ça. C'est comme ça ici. Il y a des personnes comme ça, ici en Europe. Voilà. Les femmes aussi, pareil. Elles finissent de bien t'utiliser. Beaucoup de femmes ici à Paris, surtout. Elles te tuent, elles sucent ton jus, elles te sucent, elles t'aspirent. Quand elles sentent que le jus, quand il y a fini, que tu deviens faible, elles te disent que c'est fini entre vous. Elles cherchent une nouvelle proie. Parfois, elles aiment beaucoup plus les gens qui viennent d'arriver d'Afrique là. Avec toute la force, là, elles aspirent ça. Quand tu as fini, elles te font des problèmes. C'est comme ça. Donc, c'est à vous d'être ça. Tu vas aussi avoir les patrons qui vont t'exploiter. Quand tu es aussi faible déjà, qu'ils sentent que tu n'as plus la force, ils te chassent. Ils cherchent encore les nouvelles personnes. À toi d'économiser ton énergie, d'être sage, de savoir que cette femme-là me veut du bien ou ce patron-là me veut du bien. Ne restez pas dans les relations inutiles. Quand tu as fait 6 mois dans une relation, que tu sens que la personne ne veut pas t'aider, tu fuis. C'est comme ça. La vraie personne n'attend pas le temps pour t'aider. Si tu tombes sur une personne qui te dit que tu es trop pressé, sois patient, sache que la personne veut t'aider. Ce sont des secrets. Bazar Théon Kam, je vous reviens avec une autre vidéo. Partagez d'abord celle-ci.